Bonjour, bonjour, on se retrouve pour un nouveau deck, super défi oriented, hein, parce qu'évidemment il y a quand même des cartes qui sont assez chères, principalement de l'épique, hein, comme vous pouvez le voir ici. C'est un deck que j'ai créé moi-même, donc bon, il y a sûrement d'autres personnes qui l'ont créé également, mais bon, en attendant, il tourne super bien. C'est du Splashdown, donc ça marche contre plein d'archétypes de la méta actuelle. Je ne peux que vous recommander de jouer Cimetière Gel en ce moment, c'est vraiment très très fort, d'autant plus que le gel n'est pas capé sur la tour. Pour voir comment on joue et vous éclater un peu, c'est sur la suite de la vidéo, et ça arrive tout de suite. Bonjour, on est parti pour une petite version maison du Graveyard Freeze, donc le Splash Yard Freeze évidemment. Donc voilà, c'est un deck que je viens de créer. Bon, il y a déjà sûrement d'autres gens qui l'ont créé, hein, évidemment. Ça reste un archétype assez commun, assez classique. Et on est parti tout de suite pour le tester. Donc pour l'instant, je suis sur 4-0 en super défi avec. Et on va voir du coup ce que ça donne. Pour l'instant, je tombais contre des bons joueurs, donc j'étais assez content. Contre principalement du Bridge Ban. Et du coup c'était plutôt bien passé contre le Bridge Pan parce que bah on a de quoi gérer la Battle Ram, on a de quoi gérer genre de carte. C'est de la bonne chance à l'adversaire. Bien sûr. Alors ici on a quoi? On a du Fut Barbare, on va sûrement envoyer un direct chez l'adversaire. Après c'est un deck voilà qui joue pour moi assez défensif et après artillement vous avez l'avantage. Vous partez, vous utilisez au fait que vous avez déjà des unités sur le terrain et vous partez sur de 9 ressources avec le Cimetière Gel et généralement ça se passe pas trop mal. Ici on va juste mettre un petit boulis défensif. Il devrait largement gérer le bûcheron, hein. C'est un très bon contre-bûcheron, donc il va dire non, hop, hop, voilà. Maintenant, on peut déjà envoyer un premier graveyard, voir de quel bois l'adversaire chevauche. Ok, on va juste envoyer un sorcier de glace, parce qu'en fait, il a la méga, et au final, non, c'est pas fou, la méga, elle compte parfaitement le... Ok, le blitz mec à un coup, ça c'est good. Hein. J'aurais dû mettre le sorcier de glace plus loin, ça c'était une erreur, évidemment. Merde, oulala, je suis à dire, bon, c'est parce que je caste, hein. Je suis un petit moment réactif. On est contre du golem, donc il va falloir qu'on fasse très attention. Ça peut aller très très vite. Hein. On a largement nos chances, mais il va falloir qu'on fasse attention, quoi. Alors, on va contrer le bébé dragon chez nous à la maison tranquillement. Le barbare il va également se faire bah, du coup gérer. Bon, on va renvoyer ça là-bas. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Hein, donc, on recycle principalement le deck. On va pas envoyer un cimetière juste pour envoyer un cimetière. Donc, on recycle tranquillement. On attend de voir ce qui se passe. Ok, donc il décide d'envoyer un premier golem. Nous, notre but, ça va être évidemment d'essayer plutôt de le défendre que de partir direct à l'attaque là-dessus. Donc, on va juste remettre un sorcier de glace derrière. Voilà, bien au fond. Potentiellement, on pourrait envoyer un premier cimetière si on arrive à portée de tour. Ouais, c'est pas forcément dingue, mais bon. Ok, c'est pas grave. On va faire un truc comme ça. On a le sorcier de glace qui ralentit, on va mettre un bébé dragon par là. Le cimetière, il lui fait perdre du temps. Derrière, donc, le golem va mourir. Il va devoir, du coup, contre-attaquer avec ses cartes. Nous, on a quoi? On a également le barrel qui va permettre d'aller gérer ça. On a tout qui gèle, qui slow. On est bien. On est très très bien. Parfait. Et bon, on va partir derrière sur une attaque supplémentaire. On aurait pu geler la tour ici, lui mettre une petite pression. J'étais pas sûr que ce soit le play à faire, donc je l'ai pas fait. On va essayer de recycler principalement pour récupérer la tombstone ici. Et une fois qu'on aura contre-attaqué, on va repartir en full cimetière offensif. Potentiellement, on peut juste lui lâcher un petit cimetière de l'attaque directement et voir comment il le gère. Genre un bébé dragon, cimetière. Hop, on va remettre le dragon par ici. Hop. Alors nous on va splash yarder un peu tout ça, hein, donc on va remettre ça bien en pack, on va mettre un premier gel, bim, comme ça va gérer un peu le gros de ses troupes, on va remettre un petit sorcier de glace pour aller tout finir, le bébé dragon il devrait aussi bien faire son travail. On peut remettre ça, on va pouvoir remettre également un boulis si on a envie, et surtout on va pouvoir repartir en contre-attaque incessamment sous peu. Alors là par contre l'Hydra il nous fait mal, hein. L'Hydra il nous met sur Pluton ici. Hein. Bon c'est pas très grave, on va quand même le gérer hein, cet Hydra évidemment. Mettons un boulis, c'était une première attaque à base de cimetière. Hein. Là en fait si on met le cimetière maintenant, le boulis il devrait quand même prendre la tour incessamment sous peu, non il la prend pas, c'est dommage. Ok c'est pas grave, moi je l'ai, et on va quand même lui mettre une pression comme ça avec le cimetière, avec nos cartes qui arrivent, on va mettre une petite tornade histoire que ça pack bien, que ça prenne bien l'aggro là-dessus, voilà, ouais, il prend quand même des très très gros dégâts ici. Parfait. Repartons en défense. Donc on a le bébé dragon pour défendre, on n'a pas besoin de plus. Hein. Ça va défendre le bébé dragon, ça va défendre la MG tranquillement à la maison. Bim. On peut repartir du coup derrière avec notre ami la pierre tombale. On va remettre un petit cimetière offensif, histoire de continuer à lui mettre la pression. On verra comment il arrive à gérer ça. On a le cimetière, on a le sorcier pour se défendre. Le bûcheron va le geler, la toile va quand même prendre cher et potentiellement elle tombe. Et voilà, c'est réglé.
Là, au pire, chez nous, on avait le sorcier de glace qui allait ralentir, on avait les pops de la tombstone qui allait agresser le golem. Donc, on aurait été aussi bien là-dessus. Et bah, voilà, on aurait pu continuer avec une pression de... En fait, ce qui est kiffant avec ce deck, c'est qu'il a vraiment énormément de contrôle. Et du coup, si vous le jouez bien, vous avez l'impression de pouvoir faire des choses, de pouvoir vraiment gérer la partie, de pouvoir faire de l'attaque, de la défense, pouvoir faire des trucs assez sexy. Vous avez vu, là, on a plein de possibilités de jeu. On n'est pas obligé de partir sur du cimetière gel offensif comme ça, mais on peut si on a envie. On n'est pas obligé d'avoir une unité parce qu'on a le gel. Et le gel, ben, dans tous les cas, en fait, ce qui est fort, c'est qu'il n'est pas. Alors, ils vont sûrement le changer, hein, parce que j'ai du mal à comprendre exactement pourquoi, mais il n'est pas capé sur les tours. Donc, sur les tours, il fait 101 dégâts comme sur les unités. Et du coup, 101 dégâts sur la tour, mine de rien, c'est quand même assez conséquent. Vous avez vu ici, si on mettait juste le gel sur la tour deux fois, ça passait. Donc, on a juste besoin du gel et de deux coups de squelette. Et du coup, ça met une pression énorme. Et même si on met le poison, vous savez, les squelettes, ils arrivent quand même généralement à mettre un 1 ou 2 ou 3 coups sur la tour. Ça dépend des RNG. Et du coup, bah, ça génère une grosse value. Et donc voilà, bon pour l'instant c'est quand même plutôt bien passé hein, pour un deck que je viens de, bah, de créer, de faire tout seul comme ça, généralement j'ai pas forcément autant de succès directement, ou ça me demande un peu de temps de, bah, de bien gérer, mais après c'est sûrement parce que du coup j'ai une bonne idée de comment on doit le faire, je sais pas. Ou alors j'ai de la chance, c'est aussi possible. Donc ici on est contre Jabilor, on a quoi? On a du bébé dragon, on a du cimetière, on a du gel, on a le bouliste. On n'a pas une main très cheap, hein, donc on va sûrement attendre un peu et jouer en fonction, ok on va juste mettre un bouliste pour l'instant. On a un petit retard en élixir de 2, donc il va sûrement remettre une unité maintenant. Il décide de mettre les battes, ok, pas de problème pour nous. On va quand même repousser tout ça, histoire qu'il mette un minimum de dégâts. Il va quand même taper un peu, mais bon, voilà, il mettra pas non plus. Mettra pas Bagdad quoi. Ici, on pourrait envoyer un premier cimetière, mais j'aime pas être aussi offensif que ça. Ouais, j'aime pas trop être aussi offensif que ça. C'est un monde où, y a un monde où ça passait de le faire, mais je suis pas si fan que ça de ces plays. Donc on va juste refaire une pierre tombale qui va prendre qui va mettre des petits squelettes pour gérer du coup. Allez, 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 ouais, on en prend quand même un sur la tour, c'est dommage. C'est pas dramatique non plus. On va repartir en sorcier de glace pour se défendre. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu faire la tornade pour activer le hog sur la tour. Ça aurait été un petit peu plus sexy, mais c'est pas pareil, c'est pas dramatique. Hein. Boule de feu, ok. Sa mousquetaire va faire quelques dégâts, mais après, c'est pareil, rien de dramatique non plus. Elle va se prendre un ou deux coups de bouliste. Il y a la tour et nous, on va pouvoir. Oh là là, il claque bûche en plus, ok. Et bah, du coup, on va faire un bébé dragon derrière et on va pouvoir partir du coup en cimetière gel. On verra comment il arrive à gérer ça. Alors, on va envoyer un premier cimetière, tac, 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 maintenant. Et maintenant, on va pouvoir caler le gel hein, et on va voir comment il arrive à se défendre. Tac, il a les petites battes, il a également, du coup, évidemment, la fournaise. Et là, oui, on met quand même très très cher sur le bâtiment. Il a la bûche, mais il a quand même pris un petit tarif. Hein. On aurait très bien pu mettre une tornade ici, mais c'est pas non plus urgent. Ici, on a mis cher, hein, donc on va quand même faire très attention à son prochain push hog. On pré-shot la pierre tombale, évidemment. On va remettre le petit fût à barbare qui va permettre de gratter l'esprit de glace, qui va permettre de tuer la mousquetaire. Ici, le hog ne devrait pas pouvoir passer. Les mousquetaires non plus, vous avez vu, on peut faire des défenses vraiment sexy avec ce deck. Alors, ici, il nous rattaque. On va sûrement du coup renvoyer le bouliste ou le bébé dragon à droite. J'imagine le bébé dragon déjà, parce que le bouliste c'est un peu plus lent. Voilà, s'il remet son hog, on repart. Bon, on va repartir en boulisse direct, je pense. C'est pas grave si on se prend une boule de feu sur boulisse non plus, c'est pas la fin du monde. On va repartir en petit cimetière direct. Hein, cimetière gel, hein, évidemment. Gel tout de suite maintenant. Alors, on va remettre une tombstone pour le prochain hog qui va venir. La tour est tombée. Donc là, on n'a plus qu'à défendre, il reste 32 secondes. 32 secondes à défendre, ça reste jouable. Hein. Donc, hop, le bébé dragon, il va aller tuer ça. Bad. Ici, on pourrait permettre de remettre un bébé dragon. Hop, on a le sorcier. On va même se permettre de faire un gros pool d'unités avec tout ça. Le fût à barbare dessus. Bah, c'est vu, hein, c'est du splash. Hein. C'est tellement kiffant à jouer le splash, quoi. Et là, on se demande, mais comment l'adversaire peut passer? Que peut-il faire? On peut remettre un hog à gauche ou à droite, de toute façon, il pourra jamais nous finir. Là, il va remettre l'hog là, mais vous avez vu le contrôle que va apporter le sorcier de glace, le bouliste. Il n'y a rien à faire, hein, il peut pas passer hein, ici. Et c'est très dur, hein, sans poison, de défendre du cimetière gel en permanence, c'est vraiment super compliqué, quoi. Et on est reparti hein, pour un petit match, évidemment. Évidemment. Vous avez vu, c'est kiffant, hein. C'est vraiment des archétypes très très contrôlés, et du coup, si y a des decks en face qui s'y prêtent bien, ça. Par exemple, il va y avoir des matchs chauds, hein, genre l'Arc-UX 2.9. Ça va être chaud. Ça serait très très compliqué, hein, l'Arc-UX 2.9 pour le coup. Enfin, on va sûrement rencontrer, vous allez vite voir, on a aussi des match-ups pas évidents. Mais voilà, surtout ce qui est Bridge Spam, Hog 2.6, etc., c'est quand même des match-ups où on. Alors, pas que le Bridge Spam soit forcément super simple.
simple, mais vous avez les moyens de vous en sortir. En tout cas, vous avez les moyens de contrôler la partie. Il y a les moyens de faire des trucs assez sexy. Donc ici, on a quoi? On a une main vraiment dégueu, hein, pour le coup. On a vraiment pas envie d'avoir ça en départ. On va espérer qu'il engage un peu la partie, parce que là, vraiment, on a rien à faire, nous. S'il se passe rien vers 2 minutes environ, on enverra un bébé dragon, mais sans conviction, quoi. C'est bien parce qu'on a la tombstone derrière, quoi. Mais là, on a vraiment pas une main pour engager la partie. Donc, 4 d'élixir en x1, c'est. J'engagerai même pas en fait. Ouais. Donc 4 d'élixir, c'est trop, je trouve. 4 d'élixir, ça me met trop dans la panache. Tant pis s'il a un gros match-up en x2, on verra bien. On verra bien, mais j'ai pas envie de perdre. Dans tous les cas, un match-up qu'on pourrait potentiellement gagner, juste parce qu'en fait on a claqué 4 d'élixir dès le début et qu'en fait on n'arrive pas à faire un truc suffisant en défense derrière. D'autant plus qu'on n'a vraiment pas d'anti-air si on claque le bébé drag. Si on claque le boost, il est tellement long qu'on peut se prendre une grosse pression, c'est vraiment trop dangereux, quoi. Au pire, on a le gel, mais c'est vraiment pas forcément suffisant. Ok, on va partir sur le boost à droite. Donc on est sur du golem. C'est pas un match-up évident, hein, mais on verra bien. Évidemment, on n'a pas le poison, hein, ça nous embête bien contre Golem, on aimerait bien avoir le poison. Si Golem, on va mettre un bébé drag, mais même si on en met pas, je crois qu'on va mettre un bébé dragon. Je crois que le bébé dragon, ça, c'est la vie, bébé dragon, qu'on va le mettre. Hop, hop, hop. Duel de bébé dragon, on va aider notre bébé dragon avec un sorcier de glace et on va envoyer un premier cimetière par là-bas, voir comment il arrive à le gérer. Potentiellement, on va mettre un gel également, on va sûrement geler, hein. Dès qu'on a les ressources, là, on le met. Allez, allez, allez! Ok, parfait, parfait, nickel. Donc là, la tour, elle va prendre le tarif, hein, évidemment. Il y a les squelettes sur la tour, le golem, il a également pris très très cher. Et ça passe. Hein. Le golem, il a pris le tarif, il met déjà super combat, bah, c'est pas fini, tout de même. Hein. T'as encore les moyens de t'en sortir, tu joues golem, hein, mon ami. Nous, on va attendre hein, qu'il remette ses unités, on va mettre la tombstone à l'endroit opposé d'où il la mettra, on n'est vraiment pas pressé. Ok, il repart là-bas, donc nous, on va remettre une tombstone à gauche. Non, c'est bon, je l'ai bien mise, parfait, on va repartir du bouliste à droite. S'il part à gauche au final, c'est bien joué de sa part. On verra bien par où il part. On joue en fonction de ce que l'adversaire fait, hein, simplement. Ok, c'est bien joué de sa part. On est reparti, nous, de ce côté-là. Donc, on va sûrement tout pouler après. On va pour l'instant faire un peu de contrôle de la partie. Donc, on va ramener ça au milieu. On va remettre une tombstone pour que ça reparte à droite. On va espérer que lui, il meure tranquillement. On va remettre un bouliste pour prendre l'aggro du. Bah, pour repousser le bouchon, hein, simplement. On pourra derrière remettre un petit gel qui va permettre de bah, temporiser bien tout ça. Hop là, le golem, il va également prendre le tarif. On va remettre un sorcier de glace ici. On peut remettre une tornade tranquillement pour repousser tout ça, regeler tout ça au milieu de map. On pourrait remettre une tombstone ici à droite, hein, qui va permettre de temporiser encore une fois. Là, on a les doubles tours qui tapent, hein, donc évidemment, ça suffit. Hop, boulist, boulist! Voilà, boulist parfait. Le boulist qui va défendre, et on est tranquille. Alors, je dis, c'est très contrôle, hein, ce deck est vraiment très solide. Donc, voilà, ça se passe plutôt bien quand même. Bon, bah, vous voyez l'idée, je vais vous montrer un match-up contre du coup contre Bridge Pam, histoire que vous voyez aussi un petit peu bah, comment ça se passe contre, parce que du coup j'en avais l'occasion. Donc j'ai soit la version avec le Gobelin Sarvacane, qui est la version la plus solide, j'avais également la version là. Donc on peut voir les deux, je vous propose celle avec le Gobelin Sarvacane, elle est peut-être un petit peu plus dure, donc on va voir un peu comment ça se passe contre aussi. Bon, sachant qu'au début évidemment je savais pas que c'était cette version. Donc ici on a quoi? On a la tombstone, on a la tornade, on a le gel et on est contre pareil, on est contre des profils qui sont au moins allés à 5500 et qui ont au moins 30 000 cartes gagnées en défi. Donc on n'est pas contre n'importe qui, on est quand même contre des minimums, des joueurs expérimentés au minimum. Ici on a quoi? On a le bébé dragon, donc le bébé dragon il va aller gratter 2 coups sur la tour, c'est vraiment pas énorme, mais on va juste redéfendre au barrel. On se dit ok, bon de toute façon c'est pas très grave, s'il nous attaque autrement en fait on a la tornade, par exemple s'il a un fût de gobelin, on a la tornade pour l'activer. Là on a quand même un élément en plus, c'est qu'on sait qu'il joue l'électro bizarre. Donc on a de grandes chances que ce soit du bridge spam, on voit la battle ram qui arrive, donc immédiatement on met le boulist. Le boulist c'est une réponse mais... Il n'y a pas pire contre, et attention à Rhaegar, qu'en plus il est joué dans le deck, il n'y a pas pire contre à la Battle Ram que le Bullist. Le Bullist, c'est une machine, c'est une machine. Donc on envoie un premier cimetière évidemment, dès que nos unités commencent à tanker la tour. En plus on a le slow de l'Ice Wizard, donc là vous avez vu, ça rend déjà énormément de dégâts. On se dit bon allez, on va finir la tour, ça sera réglé, on met un petit gel. Le gel il gratte 100 dégâts à la tour, hein, pour rappel, directement, plus bah, le fait que la tour est gelée. On sait que derrière chez nous on a la Tombstone pour les défendre. Il rajoute une unité, donc directement on gère au barrel. Hein.
J'aurais pu le gérer un tout petit peu plus rapidement, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Ici, il prend Speed en chair, on voit que c'est paquet, on prend l'opportunité, on met le bébé dragon. Ici, on sait que même s'il nous battle ram, on a quoi? On a la Thompson, on n'est pas trop mal. Au final, pour 3, vous gérez 4. Donc, on n'a pas énormément de mana, donc on va surtout temporiser. On a pris une tour, donc là, notre but, ça va vraiment être de défendre. Mais vous avez vu, du coup, il a pas acquis son poison en défense et il a utilisé le gang de gobelins, ce qui est une bonne réponse en théorie, mais contre une version gel, pas tellement. Et en plus, du coup, il a déjà pris suffisamment cher sur la tour. Ici, vous regardez le Bullis contre la Battle Ram. Regardez ce beau combat. Regardez à quel point cette unité se fait contrer, mais parfaitement par le Bullis, quoi. Le Bulliste n'a pas perdu un HP. Hein. Donc, plus 4 élixirs si on veut. Parce qu'après, bon, vous avez le Bullis qui va faire sa vie tout seul, mais bon. Et là, du coup, vous recyclez en défense. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je joue. Vous profitez dès qu'il y a de l'AOE à faire avec le barrel, etc. Vous en profitez directement. Dès qu'il y a des packs, hein, dès qu'on peut faire de la value. Là, par exemple, la voleuse, elle est tombée directement sur la Tombstone. Vous avez vu les nombres de moyens défensif offensif que vous avez. Ici, là, on peut repartir sur un petit cimetière, on peut mettre un gel, même s'il a claqué du coup son poison. Au final, Bullist, il peut continuer de gratter la tour tranquillement. Nous, on lui met la pression, et le temps qu'il est chez lui, il n'est pas chez nous aussi. Et du coup, il est obligé de claquer en fonction. Donc là, évidemment, le gel a très bien défendu, mais nous, on a 40 000 moyens aussi d'aller se défendre. Donc, on décide de remettre une tombstone, parce qu'on se dit, au pire, du coup, ça va se faire fouler sur la deuxième tombstone. On met bien le sorcier à gauche, plus loin, pour pas que la voleuse aille sur le sorcier, mais qu'elle aille bien au milieu de map. Et là, tout le monde meurt au milieu de map. À droite, le PK, il va mourir. Et là, il reste plus que 13 secondes. Les deux bâtiments sont viables. Comme sur la plupart des games, hein, vous avez vu, on se fait même pas toucher le bâtiment avec tellement le deck est défensif et tellement il est solide, quoi. Là, on peut se permettre de Torn Angel pour le plaisir pour tuer le gobelin Sarvacane et pour lui dire hey, tu ne pourras pas aller plus loin. Hey, le jeu a crashé. Ah oui, et ça, c'est un des trucs que j'ai depuis la dernière mise à jour. Et du coup, ça fait absolument tout crasher, c'est marrant. Ça fait même crasher ce que vous voyez. Ok. Bon, bref, c'est un des bugs que j'ai depuis la dernière mise à jour, ce qui est assez rigolo. C'est quand je finis de regarder un replay, ça crash. Je sais pas pourquoi. Je devrais peut-être réinstaller, désinstaller le jeu. J'avais pour espoir que ce soit un bug commun et que ce soit fixé, mais sinon, si c'est juste ça, je vais désinstaller et réinstaller le jeu, c'est pas très grave. Et il y avait le bridge spam classique, si vous avez envie, on peut se regarder ça en dernier replay. Là, il y avait de l'Exenado aussi, si vous avez envie, mais Exenado, il passe jamais. Hein. Je vais vous le mettre en plus rapide cette fois-ci, l'Exenado, genre en x2. Comme vous verrez à quel point il peut pas passer, quoi. Donc il joue pas la roquette, il joue la foudre, mais vous avez l'idée. Hein. Donc ici on défend directement. Alors bon, la défense c'est pas forcément parfaite, on aurait très bien pu claquer la tornade et activer le roi. Donc c'est ce que je vous recommande de faire plutôt que ce que j'ai fait, mais c'est pas très grave. Ici ce qui compte, c'est que lui il est parti sur 5 d'élixir. Ok, il a claqué le hog, plus le petit esprit de glace. Nous on s'est pris qu'un seul coup. Ok. Et donc en fait il a moins 5 d'élixir. Nous on a déjà 8 de ressources. Et c'est vraiment le principe du deck. Vous accumulez des troupes chez vous, donc vous faites de la défense, de la valeur positive, et vous profitez d'avoir 5 ressources en plus. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? C'est qu'il a autant de troupes que nous en ressources. Okay, on a 8 ressources, il a 8 ressources. La seule différence, c'est que les 5 qu'on avait en plus, on peut les mettre dans le cimetière. Et un cimetière offensif, ça fait mal. Et direct, on peut mettre un gel. Et vous avez vu, même le gel, il est que sur 2 petits esprits. Regardez le nombre de dégâts qu'on arrive à coller dès le début, quoi. C'est vraiment insane. Là, on sait qu'il va remettre le hog, c'est sûr. Il l'a en main, il l'a récupéré. Donc, on est prêt à poser la tombstone. C'est un truc que je vous recommande aussi de faire. Contre Hog, ne claquez pas forcément votre tombstone tout le temps pour la maintenir en permanence. Vous pouvez, hein. Il y a des moments où c'est pas trop mal. Mais n'hésitez pas à la garder en main, il a claqué au dernier moment, comme ça il peut pas y répondre en fait. Il sait pas exactement où elle va être, il sait pas ce qui va se passer, il a pas de moyen de pré-shot, il a pas de moyen de vraiment vous mettre la pression là-dessus. Par exemple, il peut pas se dire, attends, je mets mon Hog, je vais mettre la bûche, elle est exactement à cet endroit. Si vous mettez, regardez votre tombstone, vous pouvez la mettre haut, vous pouvez la mettre à gauche, vous pouvez la mettre à droite, vous pouvez vraiment brain le truc. En plus, bon là, ici on a tellement de contrôle avec le bouliste et le sorcier de glace que ça passe et on peut se permettre de faire juste des petites attaques comme ça à base de cimetière gel. On n'a même pas spécialement besoin que le boulis soit dessus, hein, on a juste besoin que la tour tombe. Et après de se défendre sur le reste de la partie. Donc on sait qu'il a la foudre, donc il va sûrement nous gratter un peu à la foudre, mais c'est pas très grave. Encore une fois, il gratte un peu les points de vie de la tour et du dragon. Mais ça, il peut pas le faire toutes les secondes, hein. Il est obligé de le faire toutes les 15-20 secondes. Donc au final, tant qu'on défend, donc là par exemple, on remet au milieu de map, on a la tornade, il y a tellement de moyens défensifs, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est un peu un sentiment comme ça de pas de puissance, mais d'avoir des possibilités qui est vraiment kiffant, exact. Je sais pas si vous avez déjà eu le cas, hein, mais des fois vous jouez certains decks et vous avez l'impression de ne pas avoir d'options. Ah, c'est vrai que ça crache. Vous avez l'impression de ne pas avoir d'options et des fois c'est un peu frustrant, genre mais je ne peux rien faire. Et donc là au moins vous en avez. Et surtout en fait ce que j'aime beaucoup, c'est que ça joue le Bullist et ça joue le Bébé Dragon. Et les deux cartes là sont des cartes qui sont très bonnes contre les decks à base de cabane de barbare et de recrue royale. En fait du coup vous pouvez gérer le swarm comme vous l'avez vu, hein, le Bullist, il y a quoi dans la version
De la version avec du coup qui est forte hein, des recrues royales. Il y a un recrue royal, il y a 1, 2, 3, la cabane de barbare, qui se font tous les deux très bien contrés par le bouliste. Pareil, la Battle Arm se fait également hyper bien contrer par le bouliste. Le Big Dragon il fait une value monstrueuse sur tout ça. Il y a quoi qui peut le toucher en l'air? Il y a les petites archères, il y a la boule de feu. La boule de feu elle est loin de pouvoir le tuer. La petite archère, faut qu'elle ait la portée, et vous pouvez potentiellement les sniper aussi. Et vous pouvez tornade aussi, hein. Tornade, un coup de Big Dragon, il n'y en a plus. Et en plus, vous pouvez également gérer le gobelin Sarvacane ou le gang avec le fiat barbare. Donc évidemment, vous devez choisir sur l'un ou l'autre. Mais en plus, vous pouvez attirer toutes les troupes au milieu avec la pierre tombale. Donc par exemple, les recrues royales, etc. Vous pouvez bien les splasher, toutes les mettre au milieu, une tornade, et on n'en parle plus. Et en plus, du coup, ce deck-là, il joue la boule de feu, il joue pas le poison. Donc pour défendre du gel, c'est quasiment impossible. Il est obligé d'attendre que vous mettiez le gel pour mettre le gang de gobelins. Mais s'il le met pas avant, il se fait quand même taper la tour. Donc c'est un peu du brain sur brain. Mais en tout cas, il a des options défensives merveilleuses contre des decks à swarm, à spam. Et du coup bah c'est pas pour rien qu'on peut faire des scores comme ça en super défi sans trop de soucis parce que du coup on a tellement de contrôle que ça passe bien. En tout cas j'espère que bah vous avez apprécié, n'hésitez pas à jouer des decks. En ce moment je trouve que le cimetière est vraiment fort, le fait qu'il soit pas nerfé sur la tour, ça apporte une value qui est monstrueuse. Donc n'hésitez pas à jouer du cimetière gel. Il y a plein de versions de cimetière gel, donc vous pouvez les trouver aussi sur d'autres vidéos. Hein. Clash Cuisache en a partagé une. Il y a également une autre qui va arriver bientôt sur le channel qu'on va faire avec Loven Kaya, qui a fait du 12 victoires en super défi où il joue la version avec le dragon infernal. Donc là, ici, vous gardez le boulis, vous gardez ça, vous gardez ça, vous remplacez le dragon par le dragon infernal. Ensuite, je me souviens plus de la decklist par cœur. Donc je vais pas vous bullshitter là-dessus. Ça joue la boule de neige, ça joue pas la tornade et ça joue pas non plus l'Ice Wizard, ça joue les petites archères, il me semble. Et voilà. Mais bon, je vais vous la... De toute façon, vous la verrez demain sur le channel. Je vais également la... Bah, enfin, sinon, vous me demandez, hein, vous me demandez en DM, je vous partage les listes. J'en ai plein des listes, hein, donc de ce qui se fait en ce moment. Je suis beaucoup l'actualité, donc forcément, j'ai une bonne idée des types de decks qui se font. Il y a également, bah voilà, donc les versions, soit avec le Mega Gargouille, soit le Dragon Infernal. Mais en tout cas, bon, souvent, Boulis, Gel, les petites archères, c'est quand même des trucs qui tournent vachement bien. Et c'est pas surprenant, hein, c'est vraiment puissant, hein, tout ça. Et pareil, on peut trouver ou pas du chevalier avec. Parce que bah pareil, vous mettez chevalier, chevalier, le cimetière, c'est fort. Ici, c'est pareil, ce que vous pouvez faire, vous envoyez. Si vous avez bah, full ressources, vous envoyez fuite barbare, cimetière, ok, 7, mais vous revenez parce que vous avez avec 5x2, vous envoyez un gel, bim. Et là, la pression, elle est déjà énorme, hein, parce qu'il faut gérer le fuite barbare, il faut gérer le cimetière, il y a le gel qui arrive. Si vous n'avez pas de poison, c'est quasiment impossible de se prendre 0 dégâts là-dessus. Et vous avez vu la puissance défensive. Moi, vous avez vu, hein, moi, je le joue principalement en mode je défends, je défends, je fais de la valeur, je défends, je fais de la valeur, je défends, je groupe tout le monde. Et après, j'ai un avantage en élixir et je le concrétise en attaque. C'est la version la plus lama, la plus simple à jouer. Mais bah voilà, vous pouvez aussi envoyer des mini-push, comme on a vu contre le golem par exemple. Ok, il envoie le golem, pas de problème, nous on met nos options défensives, mais en attendant, on t'attaque quand même chez toi. T'es plus qu'à 1000 HP sur ta tour, bah on va te mettre un cimetière, on va te mettre un gel derrière, tu vas devoir gérer ça. Et nous, de toute façon, on va pouvoir faire de l'avantage en élixir. C'est un deck où il faut être assez confiant sur le fait qu'on peut défendre avec moins de ressources. Vous pouvez défendre un golem, un bûcheron, une méga gargouille, avec juste une tombstone, un Ice Wizard, un Baby Dragon, et voilà, et une tornade potentiellement. Mais il n'y a pas forcément besoin de plus. Bref, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez pu apprendre des trucs. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous en avez envie. Et bah, voilà, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.